Super Keto, ma chaîne qui parle parfois de régime cétogène et parfois pas de régime cétogène. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, eh bien, on ne parlera pas de régime cétogène. Alors, avant que cette vidéo commence, je voulais d'avance m'excuser pour les sauts d'image que vous allez voir. En fait, mon appareil photo doit être changé. Simplement, il est un peu cher et donc j'ai pas l'argent pour le remplacer tout de suite. Néanmoins, si ça vous gêne vraiment ou si juste vous voulez m'aider, j'ai un Tipeee. Vous pouvez faire des dons dessus. Le moindre euro, eh bien, m'aide. Et c'est une façon vraiment cool de contribuer à ma chaîne. Je crois qu'on peut aussi regarder des petites pubs qui me reversent 3 ou 4 centimes, mais je suis plus très sûre. Faudrait que je vérifie. Et en fait, la personne du futur qui fait le montage vidéo actuellement voudrait vraiment remercier de tout son cœur Élise de Benselac, mais aussi Marie Marshall et aussi Sandra G et Franck qui ont fait des dons sur mon Tipeee pour m'aider avec cet appareil photo. Ça m'a hyper touchée, d'autant plus que c'était des dons carrément généreux. Et je voulais aussi d'ailleurs en profiter pour remercier les gens qui ont fait des dons avant ça. Mais vraiment, merci beaucoup. Il faudra encore patienter une ou deux vidéos qui seront peut-être un peu pourries. Et je devrais être à même de vous refournir un contenu de qualité. Merci, merci beaucoup. Cette vidéo, vous l'avez compris dans le titre, va parler de est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit accepter son corps, et notamment quand il est gros. C'est vraiment un sujet qui est ambiant, enfin qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais je trouve en fait qu'on voit toujours un peu le même débat et que c'est une sorte de débat qui n'avance pas. Et moi qui me laisse vraiment sur ma faim, parce que je trouve qu'en fait on ne trouve pas d'issue à ça. Et moi j'aimerais bien dans cette vidéo essayer de passer un cap et de faire avancer la discussion. Donc si ce thème vous intéresse, likez cette vidéo, partagez-la pourquoi pas, et puis allons-y tout de suite. Quand on se pose la question de l'acceptation du corps, et notamment quand on parle de poids, de surpoids, sous-poids, etc., on arrive assez vite sur l'espèce de débat actuel autour du body positive. Donc l'idée du mouvement du body positive, c'est de dire que il est possible d'accepter, d'apprécier et même d'aimer son corps, quand bien même celui-ci ne répondrait pas aux critères imposés par notre société, et notamment au critère principal qui est celui de la minceur. Donc en fait, les personnes du body positive disent qu'elles ont le droit d'être en photo sur les réseaux sociaux, qu'elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, qu'elles ont le droit de s'apprécier, de s'aimer, de se kiffer, de recevoir des likes sur leurs photos, même si leur corps est gros, et elles ont le droit de l'aimer même si il est gros. Personnellement, je pense que c'est une démarche très intéressante et que je ne peux que valider, parce que moi-même, je crois que c'est vraiment une mauvaise chose d'imposer une idée unique de la beauté. C'est vraiment quelque chose qui fait perdre à notre société toute sa richesse, toute sa diversité, qui génère énormément de complexes, énormément de dépréciation de soi-même. Et donc, je suis évidemment favorable à ce courant de pensée. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que le fait que les critères, un des critères principaux de beauté de notre société est très lié à la minceur, voire la maigreur, ça a entraîné peu à peu une sorte de sursimplification, de grossissement des traits, et ça a entraîné une sorte d'opposition qui est totalement fausse, c'est un sophisme total, hein, mais une sorte d'opposition qui affronterait d'un côté les gens qui sont gros, et qui s'en foutent d'être gros, et qui s'aiment comme ça, et qui n'ont pas envie de changer, aux gens qui, eux, veulent absolument changer, et qui, par contre, ne s'aiment pas. Et en fait, des deux côtés, c'est complètement faux. C'est une simplification qui n'a pas lieu d'être, et qui induit des confusions et des erreurs. Les personnes du body positive ne sont pas en train de dire qu'elles ne veulent pas changer, qu'elles ne veulent rien changer dans leur corps. Elles sont juste en train de dire qu'elles ont le droit de se trouver belles comme ça, quand bien même elles ne feraient pas un 36. Les personnes du body positive ne sont pas en train de dire que c'est bien pour leur santé d'être en surpoids. Elles sont juste en train de dire qu'elles ont le droit de se trouver belles, même si elles sont différentes, même si elles sont en surpoids, et même si elles sont en obésité, en fait. C'est juste ça qu'elles disent, et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas envie de changer des choses chez elles, qu'elles n'ont pas envie d'améliorer des choses chez elles, ou qu'elles n'ont pas envie de perdre du poids, tout simplement.
À l'inverse, les personnes qui veulent changer, les personnes qui font du sport, des régimes, des efforts pour essayer de changer, ça ne veut pas dire qu'elles, elles ne s'aiment pas et qu'elles ne s'acceptent pas. C'est pas parce qu'on veut changer quelque chose que ça veut dire que fondamentalement on se déteste. Mais il y a vraiment une sorte de sophisme, de faux raisonnement qui essaye de dire bah, ah bah oui, mais si t'essayes de maigrir, c'est que tu t'acceptes pas. Ah bah oui, mais si t'essayes d'être plus musclé, c'est que t'acceptes pas ton corps comme t'es. Ah bah oui, mais si tu t'épiles, c'est parce que t'acceptes pas tes poils. En fait, cette simplification n'a pas de sens. On peut tout à fait s'accepter comme on est, se trouver beau et quand même vouloir changer. En fait, moi, finalement, ce que je trouve vraiment génial avec le body positive, c'est que les personnes qui font ça, les personnes qui se prennent en photo avec un crop top, même quand elles ont du ventre, les personnes qui s'habillent court, alors que Christina a dit qu'il fallait pas quand on avait des grosses cuisses, les personnes qui se trouvent belles et qui font attention à bien s'habiller et qui se prennent en photo sur Instagram, même en surpoids, en fait, ce qu'elles font, c'est juste un gros fuck à notre société, et je trouve ça vraiment très bien. En fait, elles sont juste en train de dire, tu sais quoi, je ne réponds pas aux critères que tu cherches à m'imposer, et pour autant, ma forme de beauté, je la kiffe, et j'ai envie de la montrer. Donc, je montre mes photos sur Instagram. Je trouve ce geste hyper admirable. Et je trouve que ça contribue à changer les mentalités. Et je trouve que ça contribue à encourager les gens à développer leur singularité. Donc, je trouve ça super. Mais je ne suis pas sûre que les personnes qui font ça n'aient rien envie de changer à leur corps. Si demain, on leur propose de perdre une dizaine de kilos, peut-être qu'elles diront oui. Mais si vous voulez, le fait qu'elles aient ou non ces 10 kilos n'est pas conditionnel à leur amour d'elles-mêmes. Elles estiment qu'elles ont le droit de s'aimer avec ou sans ces 10 kilos. Et ça, je trouve ça très bien. Et finalement, au milieu de cette espèce de fausse opposition, on voit apparaître une sorte de troisième voie qui, moi, me soulève vraiment beaucoup de questions. Parce qu'on l'entend beaucoup. On entend beaucoup dire, c'est faux. C'est les deux. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'accepter pour pouvoir changer. Ça voudrait dire que le changement n'est pas possible s'il n'y a pas eu cette acceptation au début. Je pense que c'est pas vraiment juste, parce que c'est tout à fait possible de changer, en fait, mais si vous n'avez pas fait un travail d'acceptation au début, il est possible que vous changiez et qu'à la fin, vous vous acceptiez toujours pas, parce que finalement, le problème n'était pas là. Donc, si vous voulez, je suis un peu mitigée par rapport à ça, mais j'ai vraiment envie de réfléchir sur cette idée. Et finalement, moi, ça me soulève deux questions. La première, c'est, est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'accepter pour pouvoir changer? Et la deuxième, qui est encore plus importante, c'est, est-ce que c'est possible? Donc, surtout dans le contexte qu'on va prendre là, qui est celui du corps gros. Est-ce que c'est possible d'accepter son corps gros? La première question, c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment s'accepter pour pouvoir changer? Et ça soulève une autre question qui est, ça veut dire quoi exactement s'accepter? Moi, je pense que pendant longtemps, j'ai eu une définition un peu fausse de ce que c'est s'accepter. Je vous conseille de vous faire un petit thé parce qu'elle est longue cette vidéo et moi, je m'en suis fait un. Alors, quand on parle de petit thé, ça fait 1 demi-litre, mais bon. Donc, je vous disais que moi, j'avais eu une définition longtemps fausse de s'accepter qui était liée à une sorte de résignation. C'est-à-dire, s'accepter, ça veut dire bah finalement accepter que les choses sont comme ça et qu'on peut rien y faire, une sorte de fatalité en quelque sorte. Je pense que cette définition était fausse et me faisait rejeter en bloc l'idée d'acceptation. Quand j'y réfléchis, aujourd'hui ma définition de s'accepter a un peu évolué et je vous invite à donner la vôtre parce que je suis pas du tout sûre d'avoir la bonne. Pour moi aujourd'hui, accepter quelque chose, c'est reconnaître que cette chose existe sans pour autant faire des jugements et des interprétations par rapport à cette chose. C'est-à-dire, c'est avoir une position neutre. En gros, en fait, avoir une position hyper neutre, hyper pas dans l'interprétation, cette chose est là, aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Pendant hyper longtemps, j'étais pas du tout capable d'accepter le fait que j'avais des poils. C'était un énorme complexe et c'était quelque chose que je rejetais complètement chez moi. Donc en fait, j'étais vraiment en colère contre moi-même, en lutte perpétuelle contre moi-même parce que j'avais des poils. Pourquoi? Parce que pour moi, le fait d'avoir des poils, ça voulait dire autre chose. Ça voulait pas juste dire avoir de la capillarité sur la peau, ça voulait dire être à moitié un singe. Ça voulait dire être pas vraiment une fille,
mais un peu un animal, un primate. Ça voulait dire être moche et ça voulait dire être rejeté par les autres. Donc, c'était hyper chargé de significations négatives pour moi et c'était impossible d'accepter ça comme ça. Donc, c'était vraiment une lutte perpétuelle et une haine perpétuelle contre moi-même parce que j'avais ces poils. Donc, évidemment, quand mon père me disait qu'il fallait m'accepter comme j'étais, je vois pas comment j'aurais pu. Aujourd'hui, en fait, j'accepte le fait d'avoir des poils parce que je prends d'un tout autre point de vue, encore une fois, d'un point de vue neutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis... Oui, mon corps fait pousser des poils. Mais ce qui a changé, en fait, c'est que j'y mets plus de signification hyper négative. Je sais aujourd'hui que le fait d'avoir des poils ne fait pas de moi un singe. Le fait d'avoir des poils ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas féminin. Le fait d'avoir des poils ne m'empêche pas d'être séduisante. Et le fait d'avoir des poils a une signification métabolique qui est presque positive. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que moi j'ai plus de poils que la moyenne des filles parce que je produis plus de testostérone. Mais j'ai aussi les avantages qui vont avec ça. J'ai tendance à avoir une masse musculaire qui se développe et se conserve plus facilement. J'ai un caractère comme ci, comme ça, qui est lié à cette production de testostérone. C'est comme ça. Le fait d'accepter que ça soit comme ça, sans le juger, ne m'empêche pas de chercher à m'épiler parce qu'esthétiquement je le trouve pas bien. Le fait d'accepter quelque chose ne veut pas dire que vous devez être ok avec ça. Le fait d'accepter quelque chose ne veut pas dire que vous devez être d'accord ou que vous devez l'aimer. Accepter, c'est pas exactement aimer, hein. Il y a vraiment une nuance. Accepter, il y a vraiment une neutralité là-dedans. Ça vous oblige pas à trouver ça cool. Ça vous oblige pas à être content. C'est juste, c'est là. Et vous n'avez pas besoin d'être en lutte contre ça. Ça me donne, et ça me vient comme ça à l'esprit, ça me donne vraiment une autre image, qui est celle d'une rivière qui aurait un fort courant. C'est comme si vous alliez vous baigner dans la rivière et que vous aviez le choix entre nager sans cesse à contre-courant, parce que vous pensez que c'est quand même vraiment mieux de l'autre côté, ou que vous acceptez qu'en fait, vous allez passer un bien meilleur moment dans l'eau, si vous suivez le courant, parce que de toute façon, il est comme ça. Vous n'avez pas de jugement quant à cette rivière. Vous n'êtes pas en train de vous dire, mais enfin, elle va dans le mauvais sens, c'est logique qu'il fallait aller là-bas. Non, elle est comme ça, vous l'acceptez parce que c'est extérieur à vous et c'est dur d'être accepter les choses qui sont intérieures à nous. Mais finalement, c'est la même chose. Vous ne posez pas de jugement sur le fait que la rivière coule dans ce sens-là. Finalement, le fait d'accepter quelque chose, si je reprends, c'est le fait d'accepter que cette chose existe et pas forcément émettre des interprétations ou des jugements sur vous par rapport à ça. C'est juste dire « Ok, cette chose est là ». Et encore une fois, ça vous oblige pas à être d'accord et ça vous oblige pas à aimer ça. Et finalement, donc je vais retourner à ma question qui était « Est-ce que c'est vrai qu'il faut accepter quelque chose pour pouvoir changer ?» Prenons l'exemple d'un enfant. Imaginons que vous ayez un petit neveu, un petit frère, un enfant que vous gardez, que vous aimez bien et qui est en surpoids. Et vous voyez que cet enfant, il voit qu'il est différent des autres. Il a compris que les autres, ils étaient plus minces que lui. Est-ce que vous pensez que ça va l'aider de lui dire tous les jours, tu sais, tu es dégueulasse, tu es plein de gras. Aucune personne du sexe opposé ne posera le regard sur toi tant que tu n'auras pas perdu cette graisse absolument horrible. Alors, je pense que là, comme l'exemple est grossi, tout le monde est d'accord pour dire que c'est juste horrible, que c'est méchant, que c'est gratuit, que cet enfant va être dans un état émotionnel absolument épouvantable et qu'il y a même des chances qu'il se réfugie dans la nourriture pour soulager son angoisse. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée. Pourtant, ça ne choque personne de tenir ce genre de discours envers soi-même. Et je ne jette la pierre à personne parce que je suis la première à faire ça. Mais ce genre de self-talk hyper agressif, hyper négatif, on l'a tous eu. Enfin, tous ceux qui ont des problèmes d'acceptation de soi-même. Pourtant, est-ce que ça nous aide ? Non. On est bien d'accord qu'en fait, ça ne nous met pas dans le bon état. Ça nous met dans un état de détestation de soi, un état de dégoût de soi qui rend tout plus difficile, qui rend la journée plus difficile, qui rend la semaine plus difficile et qui ne donne pas envie de faire les choses. À l'inverse, est-ce que mentir à cet enfant en lui disant «
Bah non, tu es exactement comme les autres, voyons, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Est-ce que ça l'aide? Non, pas du tout. Être dans le déni de ce qui est, ça ne peut pas aider cet enfant non plus. Il y a peut-être besoin de passer par une phase d'acceptation. Oui, ton corps est comme ça aujourd'hui, il est différent des autres enfants, mais par contre, ça ne veut pas dire que tu es bizarre, ça ne veut pas dire que tu es à part, et ça ne veut surtout pas dire que tu es moche. Et je pense que ce raisonnement, on l'aurait pour quelqu'un d'autre que nous, on a du mal à l'avoir pour nous-mêmes. Et en fait, si on part de cet exemple, j'ai envie de dire que oui. C'est important de passer par cette phase de reconnaissance qu'il y a quelque chose, mais pas du tout d'être dans le jugement, pas du tout d'être dans la haine, pas du tout d'être dans la détestation, parce que cette détestation de soi, elle peut amener un changement, mais très difficilement. Et un changement qui va être pénible. Un changement où la route va être pénible. Et donc, oui, j'ai tendance à penser que c'est important de partir d'une phase d'acceptation et pour pouvoir faire le changement. C'est-à-dire reconnaître ce qui est, mais que ce qui est ne soit pas un signe négatif. Si on part, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, et si vous l'êtes pas, vraiment c'est intéressant d'ouvrir ce débat, mais si on est d'accord avec ça, et qu'on part sur le principe qu'il faudrait s'accepter pour pouvoir changer et s'aimer, la deuxième question c'est, est-ce que c'est possible dans notre société? Est-ce que c'est possible dans nos contextes aujourd'hui? Et je soulève cette question parce que moi, je trouve ça un peu facile dans les vidéos ou dans les podcasts ou dans les explications de dire « acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes tous beaux », alors que en fait, le message qu'on voit partout est exactement l'inverse. Et le pire, c'est que c'est souvent des influenceuses ou des influenceurs sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, où vous voulez, qui modifient leur image avec des filtres, qui resserrent leur taille, qui bombent leur cul pour ressembler à un idéal et des critères communs qui viennent vous dire de cultiver votre différence. Et moi, la question que je me pose à chaque fois qu'on me dit ça, c'est « Ok, mais est-ce qu'on peut vraiment ?» Et si on peut vraiment, question subsidiaire, comment on fait ? Alors, je trouve que dans notre société, c'est particulièrement dur d'accepter son corps gros. Parce que aujourd'hui, personne ne viendra me dire le contraire. Aujourd'hui, dans notre société, le fait d'être gros est connoté hyper négativement de partout. Le fait d'être gros est associé à des critères sociaux. Le fait d'être gros est associé même à des traits de caractère. Et tout cela est connoté négativement, c'est-à-dire que le fait d'être gros est associé à de l'échec, tandis que le fait d'être mince est associé à de la réussite. Le fait de prendre du poids est associé à de l'échec, et le fait d'en perdre associé à de la réussite. Le fait d'être mince est associé au bonheur. Pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous serons plus heureux une fois que nous serons minces, et le fait d'être gros, au malheur. Si vous voulez noter des phrases de sagesse, hein, c'est le moment. L'argent ne fait pas le bonheur, il fait la richesse. Perdre du poids ne fait pas le bonheur, ça fait la minceur. Voilà. Et si la minceur, ça faisait le bonheur, ça se saurait. C'est juste qu'on nous fait miroiter que être mince, c'est être heureux. Être gros, c'est être en souffrance. Et on associe même dans notre société le fait d'être gros à des caractéristiques, des traits de caractère. Être gros, c'est ne pas avoir de volonté. C'est parfois associé à des caractéristiques un peu plus positives, hein, genre être convivial, machin. Mais en fait, ça, associer des critères physiques à des traits de caractère, c'est clairement de la grossophobie. À l'inverse, la minceur, c'est associé à tort, à de la discipline, à de la rigueur, à de l'intelligence. Et c'est fou. Il y a une énorme part de la minceur qui est liée à des choses génétiques. C'est hyper dur d'accepter son corps gros dans ce contexte-là. Encore une fois, c'est hyper mal vu d'être gros et je ne parle pas ici du fait que l'obésité c'est dangereux, je ne parle pas de diabète, je parle juste du critère physique. Ça n'est pas bien vu d'être gros et pire, ce n'est pas bien vu de prendre du poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une personne mince qui aurait pris 10 kilos et qui serait encore à un poids normal, eh bien, c'est mal vu
on la regarde et ça n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Alors évidemment, je ne parle pas, hein, pour les chiants dans les commentaires, je ne parle pas des personnes maigres qui cherchent à tout prix à prendre du poids. Je parle de tout le reste des personnes qui ne sont pas en problématique de maigreur. Autre chose qui est compliquée, tout dans notre société est fait pour nous dire que ce qui est désirable, c'est la minceur. Quand une marque de vêtements veut promouvoir sa marque, elle va utiliser des personnes minces et rarement des personnes grosses. Alors, on va me dire, oui, mais parce que peut-être les habits, ça va mieux. Et bizarrement, quand une marque de sac à main ou une marque de parfum ou une marque de maquillage ou une marque de chaussures veut promouvoir sa marque, elle utilise aussi des personnes minces. Et là, c'est pas pour que ça aille mieux. C'est autre chose. C'est parce que c'est connoté positivement dans notre société et c'est associé à de la réussite, et c'est associé à de la séduction et c'est associé à de la beauté. Donc dans ce contexte, c'est quand même hyper compliqué. Je vais vous faire part par exemple de mon expérience. Moi, pendant très longtemps, j'ai hyper mal vécu le fait de faire les magasins alors que j'adore m'habiller. Parce qu'en fait, quand j'allais dans les magasins de la Pardieu par exemple, on va dire Pimkie, Jennifer, enfin vous voyez le genre de marque où on va quand on n'a pas trop d'argent et qu'on sait pas trop ce qu'on veut, et ben en fait les habits ne m'allaient pas, et notamment les pantalons. C'est-à-dire que quand je mettais un pantalon, soit il m'allait bien à la taille, mais il était beaucoup trop long en bas, parce qu'en fait j'avais pas la longueur de jambes qu'il fallait, soit ça m'allait bien en bas, mais du coup je le fermais pas en haut parce que mes fesses sont trop volumineuses. Donc en fait, ce schéma se reproduisait souvent, et à chaque fois que ça m'arrivait dans les magasins, ça me renvoyait une image horrible de moi comme quelqu'un qui ne correspond pas aux critères de beauté de notre société, comme quelqu'un qui ne rentre pas dans ce qu'on attend dans notre société, comme quelqu'un qui va être exclu. En fait, l'habit était excluant, du coup. Ne pas rentrer dedans, ça voulait dire être dehors, en fait, être à l'écart, être exclu, être puni, si vous voulez. Alors, je vous laisse imaginer, si vous ne le vivez pas vous-même, ce que ça doit être pour une personne qui est en obésité. Parce que moi, j'étais pas, et je ne suis pas en obésité, mais je le vis quand même. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand vous allez dans un magasin qui a même pas votre taille. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand les vendeuses vous font un regard qui signifie, tu sais, il n'y aura pas ta taille ici. Là, c'est très très violent et c'est très très excluant. Moi, les choses ont commencé à changer dans ma tête quand j'ai pris conscience, mais assez récemment, qu'en fait, ce n'était pas moi qui ne rentrais pas dans les habits, c'était les habits qui ne répondaient pas à mes critères personnels. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais envie d'originalité. Moi, j'avais envie d'autre chose que ce que ces magasins pour tout le monde pouvaient bien proposer. Et finalement, même quand il y avait un habit dans lequel je rentrais, il me plaisait pas, je le trouvais quelconque parce que je voulais autre chose. Donc en fait, ce n'est pas moi qui ne correspond pas à la case. C'est juste ce que me propose qui ne répond pas à mes attentes, parce que mes attentes sont beaucoup plus larges. Mais bon, c'est un autre sujet. L'important, c'est de se dire que finalement, est-ce qu'on peut, dans ce contexte excluant, dans ce contexte négatif, dans ce contexte où on est jugé, dans ce contexte où tout un tas de choses négatives sont associées à la grosseur, accepter son corps gros? Est-ce qu'on peut? Et c'est une vraie question. C'est une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose parce que pendant le confinement, j'ai vraiment passé des mauvais moments avec moi-même. J'étais beaucoup trop de temps avec moi-même et je me suis trouvée dans la détestation de moi-même et de mon corps. Peut-être pour les mauvaises raisons, mais jusqu'à ce que je me pose un certain nombre de questions qui m'ont permis de sortir de ce cercle. Donc, à la question, est-ce qu'on peut accepter son corps gros dans ce contexte, j'ai envie de répondre oui, parce que il y a des exemples de gens qui y arrivent. Et ça, c'est important de regarder ces exemples et de comprendre comment ils font et d'apprendre d'eux. Alors je vais vous donner deux exemples qui moi m'ont beaucoup aidé. Le premier, c'est une chaîne américaine. Donc c'est une blogueuse du fit game américain qui s'appelle Stephanie Buttermore. Pour vous expliquer le contexte, c'est quelqu'un qui a, je crois, autour de 100 000 abonnés, hein. Et qui a construit sa chaîne autour de son physique, et un physique shredded, c'est-à-dire vraiment un corps très, pas un peu de gras, mais musclé, avec des muscles qui se voient. Donc le corps qui répond non seulement aux critères de beauté actuels, mais encore un pire, encore plus dur, qui répond aux critères de fit game actuel.
Donc, une très jolie fille, et qui construit son business autour de son physique. C'est-à-dire que bah, sa chaîne, le succès de sa chaîne est construit autour de ça, parce que forcément, quand on a ce physique-là, les gens veulent acheter votre programme, les gens veulent comprendre comment vous faites, et les gens vous admirent parce que vous avez tout ce qui, selon eux, fait le bonheur. Et cette fille, en plus, elle faisait des vidéos de cheat meal où on la voyait manger plus de 10 000 calories par jour pendant cette cheat meal en mangeant des trucs que vous vous dites, si moi je mange ça en une journée, ben en fait je suis obèse jusqu'à la fin de mes jours. Et cette fille, en fait, ce qu'on ne sait pas quand on regarde les vidéos, c'est qu'elle souffrait de ce qu'on appelle l'extreme hunger, qui est un désordre métabolique. Je sais pas trop si c'est traduit, si on traduit ça en français, mais l'extreme hunger fait que voilà, la personne passe sa journée à avoir faim et à faim sans cesse, sans cesse, sans cesse, tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, c'est pour ça qu'elle faisait des cheat days, c'est parce que c'était une façon de répondre à cette faim, et comme elle se privait beaucoup pour être quand même encore plus maigre que ce qu'elle n'était, son problème s'accentuait. Et un jour, elle a décidé d'arrêter. Enfin, un jour, elle a découvert que ce qu'elle avait, elle n'était pas la seule à l'avoir, que ça avait un nom. Extreme hunger, et qu'il y avait d'autres gens qui étaient passés par là, et que pour sortir de ça, on pouvait suivre une sorte de protocole qui se dit protocole all-in, qui consiste en fait à manger à satiété tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et donc elle mangeait plus de 5000 calories par jour au début pour répondre à sa faim, et du coup en faisant ça, elle a pris énormément de poids. Je crois qu'elle a pris jusqu'à 35 livres, donc pas loin de 20 kilos en 6 mois à peu près. Ce changement a été hyper dur pour elle parce que, évidemment, passer d'un corps, du corps considéré comme parfait à un corps considéré comme gros, c'est déjà pas facile. Mais quand vous faites ça devant 100 000 abonnés sur internet, là où les gens n'ont aucun scrupule à vous juger, à vous traiter de grosses vaches et de sacs à merde, je peux vous dire que même s'il y a eu beaucoup de gens bienveillants dans ses followers, il y a eu aussi beaucoup d'horreur dans les espaces commentaires. Et donc elle a subi une certaine violence parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'elle faisait. Les gens ne comprenaient pas qu'elle sacrifie son physique à sa santé mentale et à son bien-être. Et elle est passée par des moments hyper durs, on la voit pleurer, on la voit craquer, on la voit... Mais ce qu'elle dit aujourd'hui, ce qu'elle explique sur le regard des autres, sur comment vivre avec ce changement de corps, comment vivre avec son cœur gros, tout ça est très pertinent parce que c'est très authentique. Parce qu'elle est passée par là, et parce que, enfin moi qui l'ai suivie toute l'année 2019, j'ai vu vraiment les étapes par lesquelles elle passait et la difficulté que c'était. Ça faisait écho pour moi à pas mal de choses en plus, et j'ai trouvé ça hyper enrichissant, j'ai trouvé ça hyper émouvant, et hyper touchant, et en plus, à aucun moment de son process, ça ne l'a empêchée d'être belle. Cette fille est magnifique, et elle est toujours magnifique. La deuxième chaîne que j'ai envie de vous conseiller, et celle-là c'est vraiment mon coup de cœur, c'est une chaîne française, c'est la chaîne d'une fille qui s'appelle Hélène Lavillaine. Donc c'est une fille qui est en obésité assez forte, et qui en plus de cette obésité souffre d'une maladie dont je me rappelle plus le nom malheureusement, mais elle a quelque chose comme un œdème aux jambes. Mais en fait, cette maladie fait que ça impose une sorte de difformité à ses jambes qui font des plis et dans lesquels se mettent de la lymphe et de l'eau. Donc non seulement c'est douloureux, mais en plus c'est extrêmement gênant au quotidien pour elle dans ses activités. Et malgré cette maladie qui en plus entrave ce qu'elle met en place pour faire pour perdre du poids, et ben malgré tout ça, cette fille, elle va à la salle de sport tous les jours, elle va à la piscine, elle se met en maillot de bain, elle se coiffe, elle se maquille, elle s'habille, elle a même du goût pour s'habiller, elle partage dans des vlogs toutes les semaines son quotidien, elle a de l'entrain, elle a de la bonne humeur, et au-delà de ça, cette fille, elle a de la bienveillance pour elle-même, elle a de la bienveillance pour son corps, elle est capable d'avoir de la gratitude pour ce qu'elle a. Et ça, moi, je trouve ça absolument ouf, parce qu'elle a toutes les conditions pour ne pas avoir cette gratitude. Elle a toutes les conditions pour pouvoir ressentir de l'injustice et dire « Pourquoi moi, ça m'arrive ça ?» Alors peut-être qu'elle se le dit des fois. Mais la majorité du temps, c'est pas le message qu'elle fait passer. Et moi, quand je regarde ses vidéos, des fois, je suis vraiment très, très, très émue, parce que je me dis...
elle y arrive, et si elle y arrive, moi je dois pouvoir y arriver. Et une fois, je me rappelle qu'elle avait dit que, parce que quelqu'un lui demandait quel est ton objectif de poids. Elle avait dit, j'ai pas d'objectif de poids, mais mon objectif, moi ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'être pouvoir mettre une robe pull avec des bottes, parce que je trouve ça magnifique. Mais aujourd'hui, avec mes jambes, avec ma maladie, je peux pas mettre de bottes. Enfin, vous savez, les bottes qui montent là, les cuissardes. Et moi, ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment ému parce que je me suis dit, attends meuf, toi, si demain tu veux mettre une robe pull et des bottes, tu peux. Et tu vas faire chier. Tu vas venir faire chier parce que tu trouves que ton corps est pas comme ci et comme ça. Et ça m'a vraiment donné une bonne leçon. Je me suis dit, cette fille arrive à avoir de la gratitude pour son corps, arrive à avoir de la bienveillance, accepte que ce soit comme ça, elle continue sa vie et elle fait des trucs super. Et si elle arrive, c'est possible d'y arriver. Alors moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je la trouve vraiment super. C'est une fille que j'aime suivre. Souvent, quand je regarde ses vlogs, je me dis c'est drôle parce que c'est 2-3 trucs sur le métabolisme qui pourraient l'aider, je pense. Mais en fait, j'ai beaucoup plus à apprendre d'elle que elle n'a à apprendre de moi. Je pense que ce serait intéressant si on avait une discussion, elle aurait 2-3 trucs à m'expliquer. Mais vous voyez, je pense que c'est des chaînes qui peuvent vous inviter à avoir une réflexion sur la question. Donc, pour répondre à cette question, bah du coup, moi je pense que oui. Je pense que oui, il faut passer par une phase d'acceptation de soi qui permet mieux de changer, parce que ça permet de mieux vivre, parce que ça permet de s'aimer, ça permet de passer des meilleurs moments, ça permet d'avoir une meilleure vie, et donc le changement est plus facile. Si vous appréciez la route, en fait, vous apprécierez l'arrivée. Si en fait, vous passez votre temps à passer des mauvais moments, en attendant de peut-être, si vous arrivez au bout du chemin, avoir passé un bon moment, ben en fait, c'est pas vraiment rentable. Faut pas oublier que notre but, en venant sur cette terre, c'est pas d'être de jolies images et de jolies statuettes. Notre but, c'est de passer des bons moments quand même. Donc en fait, si on peut pas passer des bons moments sur le chemin, alors que on sait pas, ça va peut-être mettre des années le chemin, bah du coup c'est un peu triste. Donc moi je pense qu'effectivement, c'est important de passer, c'est important de s'accepter. Et peut-être c'est important de s'aimer aussi avant d'avoir le changement. Alors quant à comment on fait, parce que ça c'est une vraie question, je pense que c'est totalement le sujet d'une autre vidéo. Je suis pas sûre d'avoir toutes les réponses là-dessus. Moi j'ai des techniques que j'utilise pour moi, pour me sentir mieux, pour essayer de changer. Je peux éventuellement vous les partager si c'est voilà quelque chose qui peut vous intéresser. Mais je suis pas du tout sûre de détenir les vérités là-dessus. Je pense que là c'est l'expérience, c'est les pratiques de chacun et c'est la vie en fait qui fait qu'on apprend petit à petit à faire ça. Je pense pas qu'il y ait une technique unique avec une seule vérité là-dessus. Bon, néanmoins voilà. Si jamais ce sujet vous intéresse, je peux vous partager mes techniques dans une autre vidéo. Je vous invite vraiment à ouvrir le débat dans les commentaires parce que je pense que c'est vraiment un sujet où on évolue soi-même en écoutant ce que disent les autres. Et des fois on comprend pas ce qu'ils disent, mais des fois il y a des phrases qui font tilt. Il y a des phrases qui nous parlent et ça fait notre chemin dans la tête, ça germine et en fait au bout d'un moment ça veut dire quelque chose pour nous. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir vu cette vidéo qui était vraiment longue. N'hésitez pas à la liker parce que celle-ci elle me tient quand même beaucoup à cœur. Et puis à très bientôt pour un sujet cétogène ou pas d'ailleurs.